15e du championnat, Orléans accueille Angers, 9e des Angevins décevants qui n'arrivent pas à obtenir les résultats souhaités pour se mêler à la lutte pour la montée. Angers n'est que la 14e équipe du championnat à l'extérieur. Une seule victoire loin du stade Jean Bouin, c'était à Tours. Angers qui n'a gagné qu'une seule de ses 4 dernières rencontres et qui a envie de retrouver la régularité et le chemin de la victoire sur la pelouse du promu orléanais. Ça débute plutôt bien pour le SCO avec cette reprise de la tête magnifique de Charles Diers. 8e minute, Angers mène 1-0. Deuxième but de la saison pour Diers. Angers ouvre rapidement le score, se retrouve en très bonne situation. Les joueurs de Stéphane Moulin qui insistent, qui poursuivent sur leur lancée avec cette nouvelle accélération. La possibilité de frapper, c'est dans le petit filet opposé. Magnifique réalisation de Sofiane Boufal à la 20e minute. Quatrième but de la saison pour Boufal qui se crée cette occasion quasiment tout seul. On en est déjà à 2-0. Et Angers n'est pas rassasié avec cette nouvelle opportunité. Encore un débordement côté gauche. Le centre, ballon relâché par le gardien Thomas Renaud. Et c'est Charles Diers qui surgit pour s'offrir un doublé à la 24e minute. Troisième but de la saison pour lui. Et 3-0 pour Angers sur le terrain d'Orléans. Alors qu'on n'a même pas atteint la demi-heure de match. Orléans est la 18e équipe du championnat à domicile. Une équipe qui va mal car il n'y a eu qu'une victoire sur les 12 derniers matchs. Mais la rébellion débute à la 27e minute avec ce but de Robert Ma, son 3e de la saison, complètement oublié par la défense du SCO. Angers qui recule et Orléans qui insiste. Le coup franc et le ballon qui rebondit sur le gardien, puis le poteau avant de terminer dans les pieds d'Ousmane Sidibé qui réduit encore l'écart à 3-2 dans les arrêts de jeu de la première période. C'est son premier but de la saison. Pas de réussite pour Alexandre Letellier, le gardien d'habitude remplaçant mais qui joue à la place de Butel, blessé à la mi-temps. Angers mène 3 buts à 2 sur le terrain d'Orléans dans un match extrêmement prolifique. Angers qui évolue sans Blayac, également blessé. Thomas et Kodja sont suspendus. Côté orléanais, Loriot est blessé et Ben Méziane est suspendu. Quelques absents qui n'altèrent pas la bonne tenue de ce match. Pas mal de spectacles et des défenses en difficulté. Orléans espère maintenant égaliser à 3 partout. Pourquoi pas sur ce mouvement avec un ballon qui va rebondir juste devant le but. Letellier encore menacé. Angers qui a également des opportunités, notamment sur ce coup franc avec un ballon qui va terminer au fond des filets. Mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. Orléans a encore une chance de revenir à 3 partout. L'équipe d'Olivier Frappoli qui s'arrache pour essayer d'obtenir ce fameux point du nul. Ils ont réussi à réduire l'écart, mais égaliser est le plus dur. À 5 minutes de la fin, il y a cette nouvelle action. Mais encore la défense d'Angers qui résiste. Et jusqu'au bout, le SCO tient son score. Victoire d'Angers, 3 buts à 2 sur le terrain d'Orléans.